À tout moment, je la regarde et je lui dis: embrasse-moi, embrasse-moi. Jeudi 25 juillet, sur la route de Vézelay, les scouts d'Europe ont rendez-vous pour leur grand rassemblement annuel. Vincent a 21 ans, il appartient au mouvement depuis maintenant 12 ans et il est chef de clan. Les scouts d'Europe sont nés en France en 1958. Ils sont aujourd'hui environ 30 000. Très imprégnés de religion, ils valorisent la hiérarchie, le sens des valeurs et le renouveau de la foi. Et on va sur Vézelay. Okay. Visite de Vézelay. On prend les repas dans les sacs. Ceux qui ont prévu les repas du midi prennent dans leur sac tout ce qu'on mange et on mangerait sur Vézelay. Mais là, on a un quart d'heure de battement. Okay. Une fois par an, les scouts d'Europe se retrouvent à Vézelay parce que c'est ici, au temps des Templiers, qu'a été donné le départ d'une croisade. Pour les scouts d'Europe, la route est plus courte, mais l'objectif est le même. L'idée qu'on a de la route, c'est servir Dieu en servant l'homme. La finalité, c'est d'avancer vers Dieu, parce qu'on est catholique et c'est avancer aussi dans notre vie d'homme. Vincent est responsable d'une vingtaine de garçons de 16-17 ans, ce que l'on appelle les routiers. Il se doit de leur enseigner ce que lui-même a appris de ses aînés, la foi, le sens du service et celui du devoir. Ces routiers sont ses frères en scoutisme. Il n'y a pas les liens du sang comme je peux les avoir avec mon frère ou ma sœur, mais il y a un lien, c'est sûr. Je pense que je me sens quelque part responsable d'eux et je suis persuadé que quelque part, eux aussi se sentent responsables de moi. Donc il y a vraiment un lien de fraternité entre nous. Quand il y a un problème, je me réfère à lui et toutes les questions que je peux avoir, je lui pose la question, il y a toujours une réponse. Donc je pense que c'est un lien de grand frère. Réponse à tout, donc aussi à des questions que l'on se pose à cet âge, même quand on est scout d'Europe. Comment, par exemple, se protéger du sida? Le meilleur moyen de ne pas attraper cette maladie, c'est l'abstinence et la fidélité. Bon. Maintenant, ce souci-là, ou ces deux fondements, tout le monde ne les partage pas. Et si, effectivement, on se trouve dans une position où, à un moment ou à un autre, on est devant devant ce problème-là, il faut bien entendu ne pas hésiter et mettre un préservatif, car on se doit de se protéger et de partager notre partenaire. Bienvenue en ouvrant ce rassemblement qui, durant 5 jours, va nous conduire de Vézelay à Reims, ici même. Des milliers de routiers se rassemblent depuis 21 ans. Soyez les bienvenus sur les traces de la route et profitez pleinement de ce temps de grâce. Priez dans cette basilique séculaire. Page C68. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus. L'article 4 du texte fondamental des scouts d'Europe parle d'éducation dans le sens de la contemplation et du sacré. Résultat, une vie quotidienne tout entière tournée vers Dieu et la spiritualité, avec ses moments précis consacrés à la prière, à la méditation, à l'étude de la Bible et à la messe. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Le mouvement est un réservoir pour l'Église française. 30% des séminaristes en sont issus. Vous y allez au pied pour les têtes. Doucement, délicatesse. Les scouts d'Europe partagent quelques valeurs avec les autres mouvements. Pour eux aussi, il s'agit d'apprendre à vivre ensemble dans la nature. Comme les autres, ils font donc des feux, montent des tentes et préparent des repas. Mais en plus, eux, ils marchent, souvent plus de 30 km par jour. Et pour les scouts d'Europe, ces marches ont des vertus particulières. La marche resserre les liens, car en fin de compte, on est tous à égalité devant les difficultés de la route. Et en fin de compte, on arrive à surmonter toutes ces difficultés que par une volonté communautaire. Et c'est vrai qu'en fin de compte, dans la souffrance de la route, beaucoup de choses s'estompent. En fin de compte, n'apparaît plus que l'essentiel.
Les scouts d'Europe se disent attachés à des valeurs morales et religieuses qu'ils regrettent de voir trop souvent mises de côté dans la France contemporaine. Ils récusent tout rapprochement avec des partis politiques d'extrême droite. Il ne parle que...